Salut les amis, alors on se retrouve encore une fois pour une vidéo sur NBA 2K19. La première qui fait qu'on va parler des insignes. Alors les insignes en fait, c'est un peu compliqué cette année de faire des tutos insignes, de comment débloquer, etc. etc. parce que c'est super bien foutu. En fait, quand vous allez dans le training facilities ou quand vous allez dans votre salle d'entraînement, il y a tout d'inscrit. À quoi sert l'insigne, comment la débloquer et qu'est-ce qu'il faut faire pendant votre atelier. Donc je vous conseille vivement de le faire parce que ça paye nettement plus que dans la carrière. Au départ, quand vous faites votre truc, vous gagnez 700 et vous pouvez faire 4 entraînements en une seule session. Ça veut dire que vous faites 7 et 7, 14, vous faites 2800 points les gars. 2800 points sur une seule insigne, sachant que pour débloquer votre première insigne en bronze, il faut 5000. Donc vous faites la moitié en one shot. C'est juste énormissime. Donc faites-le, vous pouvez le faire en fait entre chaque match de carrière. C'est vraiment indispensable et ça vous permet de farmer vos insignes au plus vite et d'être efficace au plus vite. D'autant plus que la majorité des ateliers sont quand même relativement faciles. Donc voilà, c'est un petit plus. Après, avis général sur le jeu, hein, vu que hormis le live, c'est la première vidéo que je fais vraiment qui concerne NBA 2K19 dans le vif du sujet. C'est super bien foutu. Je suis allé faire un match de parc. Alléluia, j'ai gagné, donc 1-0 pour l'instant. C'est bien foutu, il n'y a pas de bullshit pour le moment. Franchement, c'est propre de chez propre. Après, on retrouve aussi, pour avoir réflexe rapide, parce que ça, c'est obligé que quelqu'un va demander au bout d'un moment, réflexe rapide se fait de nouveau par le training facilities, donc la salle Gatorade là avec les machines de muscu et tout machin. Ça en fait c'est au fond. Vous avez une petite salle vitrée. Vous allez faire des tests de réflexes, c'est ce qui va vous permettre en fait de débloquer réflexes rapides. Voilà voilà. En tout cas les gars, pour ceux qui ont suivi mon live, merci. Ça fait plaisir. Je compte sur vous pour bombarder les likes, pour partager la chaîne autour de vous et pour vous abonner pour les nouveaux venus. C'est vraiment important pour moi cette année parce que, comme dit, j'aimerais peser dans le 2K Game au niveau au moins France. Et ça, c'est vraiment grâce à vous, grâce à vos likes, grâce à vos partages, qu'on monte dans le référencement, etc. Donc voilà. Filez-moi un coup de pouce, comme dit, je sais qu'il y en a qui sont vraiment fidèles. Il y a certains commentaires qui me touchent vraiment, notamment celui de IMC, là, il n'y a pas longtemps. Merci les gars, merci beaucoup. Et je vous ferai des tutos ou des trucs comme ça, ou même comment grind facilement, dès que j'aurai trouvé la soluce, mais ça viendra très vite, promis. En attendant, je vous laisse, j'espère que vous avez pu avoir le jeu en avance. Pour ceux qui l'ont, j'espère que vous avez bien kiffé, et à très vite pour les autres. A plus, ciao ciao. Bruh.